Régine, dis-moi donc, pourquoi est-ce que tu tenais tellement à venir en Turquie? Qu'est-ce qui t'attache à ce pays? Ah, rien ne m'attache à ce pays, mais je suis venue parce qu'il y a une équipe de Bulgares qui voudrait mettre en mémoire ce qui s'est passé ici avec notre bateau il y a en 1940. Je sais que nous avons été expulsés de Bulgarie Oui. et on nous a mis sur un bateau à Varna. Et de là, il fallait partir pour la Voilà. Palestine, puisqu'à ce moment-là, c'était la Palestine. Oui. Donc, on nous a mis sur un bateau qui était à moitié déjà pourri. Et donc, en mi-chemin, nous sommes arrivés jusqu'à près d'Istanbul. On nous a remorqués jusqu'à Istanbul. Mais étant donné que nous étions des illégaux, le gouvernement turc ne nous a pas laissé approcher du bord. Hélas. Donc nous avons été à quelques kilomètres et puis pendant 5 jours nous étions là. La communauté juive s'est tout de suite Mobilisé. mobilisée pour nous donner de l'argent, parce qu'on pas de l'argent, mais pas des vêtements, mais de la nourriture. On n'avait Oui, pas bien assez de sûr, nourriture bien pour tant de sûr, gens. bien sûr. Mais Combien, pardon, vous étiez nombreux sur nous les bateaux? étions à peu près 330, je crois. 330, mais entassés comme des animaux, comme des bêtes, comme dans des cages de lapins ou de poussins. Oh, ne me dis pas. Et dans des conditions terribles. Terribles, parce que Mais c'était à quelle époque de c'était l'année? en décembre, en plein Ah! décembre, mi-décembre, juste. Nous sommes partis le 2 décembre de Varna. Et puis on est resté là jusqu'au 9 décembre, 10 décembre. Non, jusqu'au 12. Et alors, à un moment donné, le temps s'est un peu amélioré. Et le gouvernement turc a dit qu'il fallait partir. Donc on s'est mis en route, tout le monde était heureux, chantait, parce que voilà, dans 3 jours, nous serons en Palestine. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc le bateau s'est mis en marche. Tu sais, c'était un voilier, c'est même pas un bateau. Il Oh, fallait que c'est pas possible. un autre Un moteur petit vienne mot. le tirer un tout petit peu. Et il y avait des voiles en Oui. décembre, avec la tempête qu'il y avait. En plus de la tempête, il y avait des. Et donc nous sommes partis, en pensant que dans 3 jours on serait en Palestine. Mais au milieu de l'après-midi, le ciel change, il devient tout nuageux, et je ne sais plus quelle heure, 10 heures, 11 heures peut-être, la tempête recommence. Une tempête terrible. Et alors on entend des cris, des pleurs, des supplications, des prières, parce que le bateau à l'intérieur commençait à se disloquer. Oh, Et des planches, donc l'eau et commence à l'eau entrer. entrée. L'eau commence à entrer. Moi, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé en dessous, parce que nous étions avec ma famille. J'étais Oh. avec mon père, ma mère, mon frère et moi. Là, le bateau s'est disloqué totalement. Oh, Et mon quelle père, à ce moment-là, a horreur. dit, il n'y a rien à faire, il faut se jeter à l'eau. Parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient noyés dans le fond. Ah Il y avait oui. Oui, il ne des fallait pas enfants. rester du tout avec le bateau, il fallait Non, il ne pouvait pas. s'envoler. Il n'y avait plus de bateau. D'ailleurs, oui. Alors petit à petit, il s'était démantelé totalement. Il ne restait plus rien. Et nous nous sommes jetés à l'eau. Oui.
Mon père nous a jeté. Mon... Mais l'eau était glaciale. L'eau, bien sûr, décembre. Décembre, en mer Noire. Nous étions dans la mer de Marmara à ce moment-là déjà. Oui, oui, déjà Marmara, mais enfin. Alors, trimballé par les vagues. Oui, oui. C'est des vagues terribles. Oui. Mais vous ne pouviez même pas nager, j'imagine. Presque pas, parce que je dis les tourbillons, les vagues. C'est ça. Même parce que chez nous, tout le monde savait très bien nager. Mais je ne crois pas que la nage aidait beaucoup. Non. La preuve, c'est que c'est là que j'ai empéri ma mère et mon frère. J'avais plus la force. Alors je dis, il ne faut rien, je lâche. Et au moment où je pensais que je vais lâcher, une vague m'a jeté sur le bord. Oh, merci mon Dieu. Je suis sortie sur le bord et je cherche personne. Donc tu ne vois rien, je ne vois rien. Je ne vois personne et je ne vois rien, je ne vois personne. Mais tout à coup, je vois mon père exténué. Alors je le tire parce qu'il était ailleurs. On était complètement. Déshabillé, tout était emporté par l'eau. Et mon père avait un gros manteau sur lui, oui, en fourrure. Donc il est resté sur lui, ça faisait que c'était très lourd. Ah. Alors, on ne pouvait plus marcher. Ben oui, avec l'eau. Oui. Alors je l'ai tiré un peu, je dis, on a commencé à chercher maman, mon frère, crier Maurice, maman. Rien, personne ne répond. Alors je dis à mon père, il faut aller chercher du secours, il faut aller faire quelque chose. Alors on se trouvait juste en face d'un champ plein d'épines et de ronces. Et mais vous étiez pieds nus là-dedans? On était sans rien, bien sûr, à moitié nus, à moitié... Oui. Et on était frigorifiés aussi par le marché. Alors on a commencé à marcher. Oui. Et moi je tirais mon père, vraiment je le tirais. Okay. Et à un moment donné, on est arrivé sur une espèce de route et une voiture est passée. Oh, providence. Ah, providence. Alors je suis allée, j'ai commencé à crier, à faire des signes, il s'est arrêté. Heureusement, il parlait le français, parce que moi, le turc, je ne pouvais pas le parler. Ah oui, il parlait comme le français. C'est bizarre. Mais à ce moment-là, tout le monde savait, en Turquie, on savait beaucoup le français. Mmh. Alors on était là et moi, naturellement, je pleurais, je demandais, mais où est ma mère, où est mon frère? Je disais, oui, ils vont venir, ils sont dans un hôpital parce qu'ils ont été blessés, ils vont venir. Mais au bout de 3 jours, on avait tu as bien compris que c'était fini, qu'il n'y avait rien. Mmh. Alors à ce moment-là, on a ramené tous ceux qui étaient sauvés. Il faut dire qu'on était, je t'ai dit, 330 à peu près. Il y a 123 seulement qui ont été sauvés. Donc tous ces gens-là ont été jetés sur les bords et petit à petit on les a ramassés, on les a conduits. Donc ils ont été ramassés en Silivri, je crois. Puis enfin tout le monde est venu à la Bnebrit à Istanbul. C'était très important de se vêtir à l'époque, c'était décembre. Mais oui, ils ont chauffé là, vraiment nous étions bien. On est resté quand même presque 5-6 ans. Et ton père, tu l'as... Quand as-tu su? Oui, il est tout de suite venu aussi. Alors mon père, au bout de 3 jours, quand je réclamais tout le temps où est ma mère, où est mon frère, la police est venue à demander que quelques-uns aillent sur le bord de... Reconnaître les corps. Oh non, tu n'es pas... Alors, moi, je ne suis pas allée, mais on a pris des hommes. Mon père est allé, naturellement, et il a reconnu ma mère. Mais jamais on n'a retrouvé mon frère. Jamais. Petit, plus jeune? 16 ans. Il avait 16 ans. Alors, on ne l'a jamais retrouvé. Et ma mère, alors mon père a raconté quelque chose qui était vraiment pénible, c'est que, tu sais, il y a toujours des gens, des voleurs qui viennent fouiller. Qui viennent voler. Oui, c'est donc ça. Ils ont pris tout, parce que tout le monde avait ses bijoux sur soi, évidemment. De sauver les bijoux, au moins les bijoux sur les bijoux. Les bijoux. Donc, je sais, ma mère avait de grosses chaînes en or. Eh bien, on a tout volé. Tout même volé. Les dents en or. Oh, tais-toi. Même les dents en or. Alors voilà. On est resté presque 5 semaines, je crois, jusqu'en février. À la Bnebrit. Mais qu'est-ce que vous faisiez toute la journée? Rien. Se promener, non, même pas. Promener où? Ben, je sais pas, dans la ville. On était des prisonniers, des illégaux. On était, n'oubliez pas que c'est pendant la guerre, donc oui, on était des illégaux. Oui. C'est pour ça que si on avait, nous on était expulsés de Bulgarie parce qu'on n'avait pas de papier bulgare. Et c'était le début de la guerre, donc c'était la première précaution contre. Oui. Les Bulgares ont bien voulu être gentils et s'occuper des Bulgares qui étaient des Juifs qui étaient Bulgares, les étrangers dehors. Ben, oui. Donc on nous a mis à la porte. Donc nous ne pouvions prendre ni un avion ni un train, rien. D'abord c'était la guerre. Deuxièmement, on n'avait pas de papier. Il fallait on avait des rien. Papiers. On n'avait plus rien. Je sais que c'est très difficile pour les Juifs de comprendre que ne pas se marier, ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas un idéal.
Pour nous, l'idéal, ce n'est pas de ne pas avoir d'enfant. Non, c'est d'avoir une vie tout à fait centrée sur le Seigneur. Bon. C'est certain, comme tu dis, je ne connaissais pas du tout la religion juive. Il y avait certainement en moi, ayant été élevée chez les Sœurs de Sion, une espèce d'aspiration religieuse, d'aspiration religieuse, spirituelle. Donc, comme je dis, une fois après le naufrage, pour moi, Dieu n'existait pas. Je ne voulais pas entendre ni de Dieu, ni de personne. C'était vraiment le choc. Et on aurait pu attendre que je reprenne, comme beaucoup d'autres, de refaire une vie. Mais probablement, cet attrait spirituel a été trop fort. Et j'ai eu le courage. Je sais que mon plus grand problème, c'était lorsque mon père, j'ai dit à mon père, je vais entrer au couvent. Pour lui, il a pleuré comme un enfant. Il est venu avec des yeux comme ça pour me voir à Jérusalem. Et il m'a dit, mais va, marie-toi, va au Japon, va en Chine, va au Japon, mais marie-toi, va. Et après, quand je suis devenue religieuse et que je suis partie tout de suite en Égypte, il m'a dit, pour moi, tu es un cadavre ambulant. Terrible. Cadavre mort, tu es morte, mais tu vis encore. Oui. Donc pour moi, c'était terrible pour moi. Et à ce moment-là, il a vu que j'étais pas une religieuse endormie et tout ça, ne sachant rien. Je pouvais parler de films, je pouvais parler de sport, je pouvais parler de littérature, je pouvais parler de beaucoup de choses. Et ça lui dit, ah, elle est encore un Ben-Adam. Elle est encore un Ben-Adam, donc elle n'est pas tout à fait morte. À ce moment-là, on a repris contact et il m'a accepté.